Déposez les filets de Lapereau sur un film, salez, poivrez, déposez quelques brindilles de thym frais. Le thym, c'est vrai, il faut le dire, hein, c'est peut-être l'aromate qui se marie le mieux avec le lapin. Avec les lapins. Les rouler dans le film et torsader les bords. Déposez les filets de Lapereau dans le couscoussier à ébullition et cuire pendant 20 minutes à couvert. Ajoutez l'échalote ciselée dans le beurre, mélangez, incorporez le curry et réservez. Mettre les oignons dans la casserole, ajouter les rouelles de courgettes émincées, couvrir de bouillon de volaille, ajouter une pincée de curry, porter à ébullition et cuire pendant 5 minutes. Égoutter les courgettes, réduire le jus de cuisson à sec, mettre les courgettes dans le mixeur, ajouter le lait écrémé et mixer. Mettre à fondre le beurre de curry sur feu doux, rouler les Lapereau dans le beurre pendant 30 secondes, éteindre le feu, réchauffer doucement les petites feuilles de menthe dans le beurre chaud, dresser le velouté de courgettes dans le plat avec les Lapereau à la menthe et parsemer de quelques gouttes du jus de courgette. Lapereau à la vapeur aux parfums d'Orient. Pour 4 personnes, 2 rables de Lapereau, une courgette, un oignon, 4 brindilles de thym, 28 petites feuilles de menthe, 10 g de curry, une échalote, 50 g de beurre, 90 g de lait écrémé, un demi-litre de bouillon de volaille, du sel et du poivre du moulin.